émission arrêtée ici. Donc mon choix. Mon choix, c'est lui. Noctali. Donc en fait, il va pas évoluer en Noctali tout de suite, je pense. Qu'il ait un peu plus de niveau après que je lui donne la pierre lune. Oui, je confirme. Yes. Ah, bah oui, mais non, il n'y a que moi qui ai eu un cadeau. Désolé, petite sœur. Par contre, j'ai pas trouvé Zach. Tiens, il y en a un là, en bonhomme. Il m'a parlé de Zach le marin tout à l'heure, mais comme je l'ai pas lu. Et ici, il n'y a personne. Je vais reprendre la conversation. Hein. Ah, l'homme sur le pont. Un homme sur le pont que je dois aller parler. Ok. Un homme sur le pont. C'est pas un pont, ça? Ah si. Bah là c'est un pont. Voilà. En vrai j'ai jamais vu un pont comme ça. Pfiou, c'est fini. J'ai tout réparé. Tu veux me parler? Ouais, le magasin de mécanique est à nous. Hein? Tu as besoin d'une pièce méca, mon grand frère? Mon grand-père, il est parti chez le docteur Varjok. Tu sais, quand mon grand-père s'envole pour de la mécanique, il part au quart de tour et il oublie le magasin et son petit-fils. Je vais te trouver cette pièce, Mika. Tu viens avec moi au magasin? Ouais. Eh ben, mon grand-père a de la chance d'avoir un petit-fils comme moi qui s'occupe de tout. Désolé, nous étions sans une pièce méca, n'est-ce pas? Voilà, voilà, elle est là. C'est un objet rare, cette pièce méca. On a mis du temps à la recevoir. Comment va le directeur, le professeur Cyrus? Ah, le directeur du laboratoire Pokémon a été enlevé par des crétins avec des Pokémon obscurs. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Qui aurait pu penser qu'une chose pareille se reproduirait? J'espère que le directeur du laboratoire Pokémon va bien. Je t'encourage d'ici, de ton côté, n'abandonne pas. Bon, je crois qu'il faut retourner au laboratoire maintenant. Non, pas au laboratoire, au manoir peut-être. Je sais pas. Ah, je sais pas. Non, on va aller au laboratoire, on va voir. J'ai un pacemaker. On rentre. Ah, on m'attendait de pied ferme, regardez. Oh, Eden, tu as une seconde? J'ai trouvé d'autres mémos que j'ai rédigés avec le directeur. Je crois que tu devrais les voir. Les avoir. Ils contiennent des informations de base sur les Pokémon obscurs. Je te conseille de les lire. Il vient me donner de la lecture, lui. Voilà, il n'y a personne.
C'est bon de te revoir, Eden. Il a été sage. Nous avons fait la course comme tu l'avais demandé, maman. Un méchant a essayé de nous arrêter, mais un gentil monsieur nous a aidés. Oh non, vraiment? Ah, c'est vrai. Tu me raconteras ça plus tard. Vous avez ce que j'ai demandé? Ouais, j'ai. Merci, avec ça, nous pouvons finaliser le purificateur. Je vais l'emmener dans la salle de purification au rez-de-chaussée. Ah, j'y vais. Lila, tu es sûre que ça ira? Fais attention, c'est fragile. Je peux le faire. Eden, comment se porte ton Pokémon obscur? La purification avance si un Pokémon obscur passe du temps avec son dresseur. Est-ce que sa jauge de conscience est descendue à zéro? Non, encore. Oh, mais lorsque le purificateur sera terminé, sa jauge de conscience sera sûrement à zéro. Ah oui, je me souviens comment il fallait faire une fois que j'arrive à zéro. Alors mon chéri, es-tu d'accord pour aller à Smoga, Sandarag, à chaque fois? Bah oui, hein. Merci. Tu sais, je suis très fière de voir que tu deviens de plus en plus autonome. Ah, j'ai eu peur qu'elle dise le mot adulte. Bon, on va y aller. Je peux pas partir de là. Je sais pas où c'est le plus court pour partir. Je prends l'ascenseur. Original comme endroit, hein. Une Pokéball pour ma rentrée, mon arrivée. Donc. Une musique plutôt apaisante. On ne peut pas sortir du village par ici. Et toi, arrête de me regarder avec ces yeux de Merlin fric. Tu veux faire un combat de feu? Alors c'est ça. Ah bah oui, je viens. J'ai les nerfs. Je me suis perdu, je vais me défouler sur toi. Eh, pourtant, y a pas à se perdre, hein. Moi, je sais où elle est, la sortie. Hein. Alors. Je commence par m'attaquer à qui? Gros tas de morts, vas-y. Non, c'est pas gros tas de morts, c'est tas de morts. Je vais peut-être pas mettre une échouille dessus. Hein. C'est dégueulasse. Comme si vous voulez chier de la boue, pas. Hein. Pas très hygiénique, hein. Faire un petit tour sans Pokémon après quand même. Parce que si j'ai d'autres combats à faire. Go!
J'ai hésité. Bon, je vais faire comme ça. Morsure encore. Je me tue même les attaques. Ah, encore un petit coup ici, vous. Je suis venu admirer la relique sacrée, mais on ne me laisse pas entrer. Et voilà que je ne retrouve plus mon chemin du retour. J'ai envie de pleurer tellement c'est rageant. Oh, bah un grand homme comme toi, faut pas pleurer quand même. Tu vas bien finir par trouver ton chemin. Il faut pas rester planté là, sinon ça va pas s'arranger. Dites-moi en commentaire si vous avez ce jeu-là. Et si vous avez réussi à le terminer aussi. Ça m'intéresse de savoir. Je suis curieux. Je suis un gars très curieux, moi. J'ai pas tout vu, là, en gros. C'est l'entrée de la forêt sacrée où se trouve la relique sacrée. Aujourd'hui, des combats ont lieu. Je ne peux pas te laisser entrer, mais il y a plein d'autres choses à voir au village. Ok, bon, moi je monte. Même s'il y a des combats, ça m'intéresse, moi. On est une boîte. Une huile. Ça, c'est pour restaurer, il me semble, les capacités. Ouais, c'est même sûr. Je suis sûr que c'est ça. Ah ouais, merci pour la baie. C'est gentil. Mignon ton hirondelle. Ok, il n'y a personne. Là, par là, on a la caisse en tout cas. Bon, on va rentrer là. La maison. Je vais chez les gens, je squatte. Tranquille. Ok. C'est un couple qui dort dans un lit à part. C'est pas très courant ça. Un vieux couple, je pense. Quel adorable dresseur. Bonjour, je m'appelle Olifie. Je peux t'aider? Adelbert, tu dis, c'est mon mari. Tu t'appelles Eden, n'est-ce pas? Ouais. C'est ce que je pensais. Nous t'attendions, Eden. Ah bon. Lily nous a parlé de toi. Nous savons que tu veux purifier des Pokémon obscurs. Tu aurais dû voir mon mari quand Lily l'a appelé. Il était surexcité. Il est parti de la maison comme un bolide en criant qu'on avait besoin de lui, je ne sais où. Il n'est toujours pas rentré. Ah bah le blanc, quand on parle de lui. Olifie, ma chérie, tout est prêt pour notre visiteur du laboratoire Pokémon. Il va sûrement arriver d'une minute à... Tiens. Ouais, c'est moi. Notre visiteur est arrivé, chérie. Je te présente Eden. Eden, ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Adelbert. Lily m'a mis au courant. Comme tu le sais, un Pokémon obscur doit avoir la conscience ouverte pour pouvoir être purifié.
La meilleure façon d'ouvrir la conscience d'un Pokémon est de le faire combattre. Mon mari brûle d'impatience. Du temps de sa jeunesse, il était considéré comme le meilleur dresseur. Ça ne me rajeunit pas, tiens. Dans mes souvenirs, il y avait un passage secret. Mais... Donc pour ceux qui ne savaient pas, hein, voilà, on fait découvrir un passage secret. Mince, j'ai pas lu, elle voulait quoi? J'ai couru voir ce qui se passait, j'ai eu une bonne surprise, je sais, nous allons... Ah, elle veut se battre, ok, je veux bien. Ah, je vais être échoué, par contre. Quand morsure, ça doit être l'attaque la plus puissante que je possède, là. Avec les bonnes. Je pense que c'est encore trop tôt pour que j'utilise la pierre lune, mais on va peut-être vérifier après le combat. On va voir. Mais je pense qu'il faudrait plus avoir un niveau CS par là. Et je l'ai pas encore niveau CS. Le niveau 11. Ouais, ça n'a pas fait grand chose, hein, les fouilles. Tiens, on va inverser. Ça serait le porteur. Voilà. Voilà, c'est comme ça que j'aurais dû faire tout à l'heure. Vous ne pouvez pas savoir. Hein. Voilà, c'est plus efficace ça. Attaque morsure encore, ok. Mes attaques. Voilà. Donc en passant par ce passage secret là, vous avez des objets et une grand-mère si vous voulez pour combattre. Chose promise, chose due, voici la chose dont je te parlais. Ah oui, en plus elle donne une CT. Je suis sûr que ça te servira. Je change un peu l'ordre des phrases, c'est pas du tout ce qu'elle a dit. Ça veut dire la même chose, c'est pas grave. Je vais voir ce que c'est, si ça se trouve, c'est coupe, non? Un truc comme ça. Je regardais. Objet. Je suis pas allé voir dans tout ça encore. Ah non, c'est Valgrin. Donc on fait des pokéballs aussi. Hein. Est-ce que j'ai d'autres trucs à regarder? Ah oui, la pierre, je voulais voir si ça passe. Ça m'étonnerait, mais bon. Ouais, voilà. Il n'y a pas assez de niveau encore, de ce que je pensais. Ouais, c'est pas grave, hein, évolue bien. Hein. Mais ouais, l'évolution que je préfère chez Evoli, c'est Noctalie. Par contre, ça, c'est les anciens... les anciennes évolutions, hein. Maintenant il y en a encore plein d'autres. Donc maintenant, vu qu'ils en ont rajouté, ben, moi j'arrive plus à choisir. Hein. Elle veut se battre. Peut-être lui réclamer. Ah, j'ai eu des pokéballs.
Ah non, elle a un signe des capacités. Cool. Alors, copie, c'est pas une attaque que j'aime vraiment. Hein. Le cache éclair, il frappe à la tête, ça c'est bien. C'est gratuit au moins. Ah, on peut pas enseigner plus d'une fois, bah. Bon, on ira la voir un autre jour. Hein. Parce que là, j'ai que deux Pokémon. Alors, si je prends une attaque, ben, ce sera qu'une fois, comme elle disait. Donc, on la reverra plus tard. De toute façon, elle va pas bouger. Hein. Fais quoi, tu manges ta soupe? Ah non, elle regarde sa fleur. Un Galifeu. C'est quoi ici? Un magasin? Ouais. Ce qui est bien, c'est que les portes elles restent ouvertes après. Du coup, on peut se repérer. Un culbutoké. Lui, il y a la télé. Mais c'est toujours la même image qu'il y a sur sa télé. Ça a l'air très intéressant. Hein. Moi, je m'ennuierais à ça, voilà. Enfin. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi, je m'ennuierais. Hein. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Est-ce que je peux descendre? Je pense que oui. Le purificateur il est là-bas, je m'en souviens. Il voulait pas me laisser passer tout à l'heure, mais peut-être que maintenant c'est bon. Ah, tu dois être le fameux Eden. Alphabet m'a parlé de toi. Bon bah oui, ça veut dire que tu vas me laisser passer, c'est bon. Merci. Bon voilà, on m'est servi un combat les gars. On a quelques combats à faire avant d'arriver au purificateur. Et on pourra purifier Tediosa. D'ici là, je pense qu'il sera à zéro. Donc je pourrai m'en occuper. Il sera peut-être pas encore à zéro. Faudra que je marche un peu encore. Et il en reste pas mal quand même. On verra bien. Moi, je ne suis pas inquiet. Tout va bien. On va le sauver et t'aider ça. Déjà, là, il est entre de bonnes mains déjà. Avec moi. Moi, je suis pas méchant, moi, je suis un gentil, hein. Dans la vie, ça sert à rien d'être méchant, parce que toutes les horreurs, ça vous retombera dessus un jour ou l'autre. Et voilà, ça c'est fait. Un fait. Et bien, chapeau. Ah, il est voulu. Ah, en fait, j'avais pas besoin de lui donner la pierre. En fait, ça se fait automatiquement. Je m'en souvenais même plus. Hein. Je pensais que ça soit plus au niveau 16 en plus. Mais... Sur les jeux Game Boy, DS et tout, là, je pense que... C'est plus vers le niveau 16 qu'ils évoluent les Pokémon. Même évolué, hein. Bon, bah je suis content, j'ai Noctali. Yes!
Oui, merci, Corentin. Oui, c'est bien moi, Eden. Allez, je veux bien combattre, une fois de plus. C'est parti. Attaque morsure sur écrapince. Assaut noir sur écrapince. Allez, tout sur écrapince. Allez, go! Voilà, il ne me reste plus que Snubble. Au moins qu'elle en a un troisième. Ah, elle en a un troisième. Un Inupio. Il faudra que je retourne au centre Pokémon aussi. Bon, peut-être pas après ce combat là, mais on va pas tarder quand même. Tout sur Snubble maintenant, allez go! Ouais, je fais en pas un, moi, les Pokémon, comme ça. Ce qui est bien, c'est quand même les attaques, ils atterrissent sur les deux ennemis, ça c'est bien ça. Mais là j'en ai pas là, donc... Pour le moment, je fais avec ce que j'ai, hein. C'est fait. La défaite est amère. En plus, ça rime. Ouais, c'est un beau combat. Merci. Au revoir, Dunia. Au revoir. Pas la grand-mère maintenant. Moi, j'aurais voulu l'objet avant. L'objet maintenant. Pas être trop gourmand, Eden. Eden veut tout tout de suite, hein. Toujours, toujours, toujours. Ouais, je mets tout sur Ligne Magma, allez hop. Ah, t'es bien un Pokémon haut là pour le coup. Oh bah c'est bon, hein, j'ai eu d'un coup finalement. Nickel. Morsure et un saut noir. On en finisse. Et après, je pense que je vais aller sans Pokémon. Niveau 13, yes. Et quand Tedieu sera purifié, il pourra gagner un niveau après. Mais pour le moment, il peut voir. Ah, j'ai vu mon cadeau. C'est ça le cadeau. Ouais, anti-brûle. Ouais, j'ai un centre Pokémon. Il me reste, je pense, un dresseur et après on est arrivé. Le purificateur. Et là les amis, on va se retrouver pour le prochain épisode. Je vais sauvegarder la voile. Hop. Change là. Voilà. J'ai un papy à faire après. Donc je regarde ici et après, on a un combat avec le papy et après on est arrivé. Voilà, à prochaine les gars.